What's up? I want to thank the staff. Hello, hello. The manager. Yay! I'm manager. Manager. They're really great people and they let me do my video here. So if you want to go to Japan, Tokyo, come to this hostel, East 57. Yeah. That's how we do represent Montreal. How do you say goodbye? Sayonara. 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 What's up, my boy Stagbo, STACK, aka Shazu, aka Black Samurai. Je suis à Tokyo présentement. On est là pour une autre histoire. Et hop, let's go. Aujourd'hui, comme on est au Japon, on n'a pas le choix. Je fais un petit spécial rap japonais. Je vais vous présenter qu'est-ce qui est hot présentement, la Genzai. Donc, un des premiers rappeurs qui est vraiment très entendu partout ici, c'est Monsieur Ko. Le gars est vraiment partout, partout. On l'entend aux États-Unis, on l'entend en France, au Canada. Il fait un swag très hip-hop américain, pas old school. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment bon. Il a sorti des beats comme Dirt Boys. If I die tonight, if I die tonight, if I die tonight, kyo shin nara dou suru. Et également le beat qu'il a fait entendre partout, c'est Itima. Air Force One, sore ka boroi compass to omottai ka wa jande. L'autre rappeur aussi qui est hard, Monsieur Luta, un gars qui est toujours avec Ko. Il fait aussi des très bons beats. On peut même le voir dans la vidéo Ichima. Il y a des dreads comme moi j'ai eu sur ma tête. Et vraiment le gars il spit des fireballs. J'ai vu aussi dans ses beats comme After. C'est vraiment très très nice. On dirait qu'il est en train de conduire, faire du Tokyo Drift toute la journée. C'est vraiment bon, man. Ça c'est un autre gars à écouter. Un autre gars encore que je viens de connaître ici, c'est Monsieur Keanu Jones. Un petit jeune de 19-20 ans. Le gars il est vraiment hot. Il a l'air d'être moitié genre black, asiatique. Le gars il spit des verses, c'est fou. Évidemment on comprend pas. Vous allez me dire, comment tu parles de rap japonais pour comprendre rien? Non mon gars, écoute-le, je te dis. Ah ouais, pour de vrai? Écoute, même si t'entends pas, mais si tu comprends pas, c'est faya. Le flow pis tout, les beats sont fous. Je vous dis, allez écouter les gars. Comme on dit ici en japonais, c'est Sugoi. Sugoi. Et je vais vous présenter un dernier rappeur. Il s'appelle JP The Wavy. Il y a vraiment un vibe. Ses vêtements, c'est comme s'il était à la Lil Uzi Vert. On dirait qu'il y a une différente tendance. Il amène un différent flow. Du coup, ses beats, on a vraiment travaillé sur le swag, sur l'apparence. Mais vraiment, le son aussi, c'est très américanisé. Comme on peut voir ici. Et tous ces gars-là, je vous ai dit, ces japonais ont beaucoup de beats avec des coréens, des américains aussi également. Les rappeurs asiatiques commencent à augmenter plus en plus chaud dans les prochaines années à suivre. Ça c'est ça, mais merci encore d'avoir écouté ma vidéo. C'est votre boy Stagbone. Allez checker mes réseaux sociaux en bas ici présent. On se voit pour la prochaine fois back à Montréal. We out. Peace. Tchou. Konnichiwa.